Bonjour, alors je viens vous parler des meilleures applications payantes et gratuites, n'importe, que nous allons connaître ensemble. La première, Free Music. Donc 0,79 centimes pour toute la musique gratuite. Donc voilà, j'ai eu tout ça. Rien de plus simple. On fait un petit bar ici comme dans Safari. On tape mp3skull.com et ensuite. Photo de travail, vous tapez n'importe quelle musique et tout, il la trouve, peut-être pas toutes, peut-être pas c'est les années 60, 70, 80, mais dans les dernières années. Bien ensuite, appli privé 2, application utile, pour ceux qui veulent écrire des tunes, donc c'est simple, d'essayer l'application, et à chaque test validé, ça vous donne 20 centimes, virtuel. Là, comme vous pouvez le voir, je suis à 7,90€ et 56,30€. Ah ben, c'est quand on peut avoir une carte iTunes. On va ensuite du côté Petra Nations. Donc là il y a deux choix, classique ou front, il va faire classique. Donc là oui, on est au propre petit village. Il y a des restaurants, le laitier, n'importe quoi. Et vous, c'est vous qui faites tu vois. Là, c'est là où on met toutes les réserves et tout. Alors, ensuite vient le jeu incontournable dans l'App Store. Vous l'aurez deviné. FIFA 12. We are not 11. We are 12. Pour les trois premières minutes que nous avons passé ensemble, la meilleure application que j'utilise de plus en plus, FIFA 2. Donc là, on a les bestimes 35. Donc là, c'est pour la seule contre Origin. Grâce à ça, on peut faire des défis. Tous les jours, on a des défis, donc peu importe. On joue entre deux équipes, on choisit une, on va amener la victoire ou autre chose. Une carrière qui n'était pas présente sur l'ancien FIFA, sur l'iPhone. J'ai commencé avec Manchester City. Avec 100 millions sur un invité à prendre. On est en équipe. Que de bons joueurs. Mais si Ronaldo reste, on ne peut pas les avoir. Alors j'ai Lloris, Mika Richard, Pepe, Ramos, Fabregas, Van der Vaart, Envia, Pastore, Gomis et Hazard. J'ai Olivier Giroud. Dans le remplaçant, j'ai Hart, Savic, Touré, Clichy, Gourcuff, Nasri, Gignac, Neuer, Réserviste, Touré et tout le long. Voilà. Alors. J'ai fait vraiment parce que on a la compétition en mode multijoueur là-dessus. C'est un super store disponible que sur l'App Store américain. Pirate. Un jeu comme du Doge, mais. Avec un ninja,
dans différents modes de jeu, pirate, château, jungle, classique. Donc, présente sur la version gratuite. Voilà, parce que j'ai eu 3 boulettes qui m'ont affilé, mais c'était là. Donc, Ninja. Ensuite, il y a. Alors là, c'est comme Fake Football, mais là, c'est la version de Chelsea. Et c'est la seule ville là, mais. Comme mon club préféré en Angleterre, c'est Chelsea. Enfin, dans le monde, sans compter rien, bien sûr. Je suis bizarre, peut-être, mais. Mon équipe préférée. Si vous connaissez Fake Football, vous allez adorer cette version de Chelsea. Donc faut tirer surtout en hauteur et sur les coins pour avoir une extra life, donc une vie en plus. Là j'ai déjà perdu. Dommage. Bah, si un peu, pas beaucoup parce que faut pas que les vidéos soient longues. Faut faire des effets, hein, regardez. Bah, voilà comme ça, mais je sais un peu loupé. Donc on a Asphalt 6, jeu développeur Gameloft. Le meilleur jeu pour moi du Gameloft. Donc je ne vais pas pouvoir y jouer. Hein, parce que, après, la vidéo est en 6 minutes 43. Je vous montre juste le décor comme ça. Vous avez le mode multijoueur, le garage pour vérifier enfin, contre les voitures, carrière ou les courses libres. Alors je suis à les records qui vient. Fruit Ninja, Mansiki Motocross. Quand je fais photo, Ruby Nations. Excusez-moi. Donc là, vous avez Monopoly et Fire Now. Donc Monopoly Monde. Jeu développé par EA. Différent du vrai Monopoly qui est normal avec les rues, là, c'est avec les pays. Un peu mieux quand même, merde, excuse-moi. Donc là, moi je suis ballon de foot. Et là, donc, je perds déjà de l'argent. Bravo. Et mon Monopoly normal, donc là avec les rues. Pas de nouveauté. Uno, qui est bien développé par Gameloft. Le Scrabble, parfait. Cluedo. Et bien Empire, un peu comme Risk, qui d'ailleurs que j'avais, mais est pas très bien. C'est moi qui veut gagner des millions. Alors là, donc vous connaissez tous le célèbre Doodle Jump. On va faire un peu de foot. J'aimerais bien vous montrer une petite équipe au moins. Voilà. Tiens, mal Israël. On commence par eux. Hop. Donc là, c'est vraiment bien fait. Hein. Hop. Ah oui. C'est un peu dur. Alors, vous avez Flick Football, Super Save, Need for Speed Pursuit, Power 3.0, NFL Rivals. Gangster qui est un peu comme GTA justement développé avec Park Gameloft. Warm de Armageddon. Là un jeu un peu spécial de développé par TIQ. Malheureusement, je ne peux pas pouvoir jouer vu que ça se joue à demain. Pas grave.
vraiment vous montrer en quoi ce jeu est spécial. Regardez, on est un vaisseau partout où je veux, de toute façon. On est dans la virée, alors, en fait. Bon, il y a mieux comme je le sais, mais ça, c'est un peu pour les geeks, non? Trenches et Trenches 2. Implacable. Je garde le tranché, enfin, bref. Bien développé, je trouve, hein, quand même. Oui, ça. Hein. Donc, Call of Mini, Double Shot. Ou Minigore. Jetpack Joyride, tiens. Un jeu qui est passé gratuit aujourd'hui. Mais Apple avait donné un code, hein, justement, pour l'avoir gratuit sur Facebook. Non, Facebook, justement, j'oublie toujours de parler avec lui. Application, justement, numéro 1. Enfin, dans le top 10, moi. On a un petit personnage en fait. Là c'est les scientifiques que vous voyez en bas. Là c'est un peu dangereux parce que comme je tiens l'iPad. Voilà, je me suis fait tuer. Ah, on a quoi? On a juste Simpson, Scream, Smurfs. Fred, Fred Zombie. Tiens. Eden. Oh, super beau jeu, on va dire. Je vais vous montrer le monde que moi j'ai créé. C'est un peu comme Minecraft. Regardez, hop. D'abord, ça va être un peu dur pour jouer. Vu que. Voilà, ça c'est moi qui crée une petite piscine olympique. On peut faire exploser avec de la TNT, enfin n'importe quoi, c'est comme Minecraft, hein, je vous ai dit. À 0,79 centimes, n'hésitez donc surtout pas. Donc là, application gratuite, Talking News, Tom aussi, Talking Pierre aussi, et Talking Santana. Alors, on va commencer par Talking News. Voilà, jeu gratuit au départ. Voilà, donc. Ah, il a encore loupé. Voilà. Ça, c'est quand on appuie sur. Attendez. C'est quand on appuie sur les deux épées. Ah. On va faire non, pas maintenant. Pas les jeux. Et il le loupe encore. C'est bizarre. Tiens, voilà. Et là, donc là, c'est les contenus H1T. 0,79 centimes pour acheter les réactions de Tom. L'univers de l'eau, Sarbacane. Ou ça encore. Alors, nous avons Talking Tom 2. Mais bon, bah, ça vous connaissez. Parce que moi, j'ai acheté le contenu. Achat le contenu qui cherche à l'intérieur. Donc celui-là c'est ce qu'on a. Un gros Père Noël qui tombe du ciel. On se met même pourquoi. C'est pour les cartes postales. Vous donnez vos cadeaux. Ah, sauf que là, c'est une petite blague parfois qui nous fait le gros Papa Noël. On va faire autre chose. Pas comme ça. Hélas. Si vous êtes méchant avec le Père Noël, qu'est-ce qu'il vous donne? Ça va rien.